Mec, je crois que je suis en croche. Oh non, c'est qui encore cette fois-ci? Déborah, Élise, Jordana? Non, c'est pas une élève. Quoi? Bah oui. Mec, me dis pas que c'est... Si. La CD hier. Mais non, mais mec, mais n'importe quoi. Oh, tu m'as fait peur. Non, c'est... Oh, me dis pas que c'est celle à laquelle je pense. Et si. La CPE. Bon, mec, t'arrêtes un peu, là. Je sais pas, moi, je propose, c'est qui, alors? La prof. Excuse-moi. Et oh. Excuse-moi. Bah oui, attends, t'as vu comment elle est jolie, la prof d'espagnol? Non, mais, hey, toi, tu la trouves pas magnifique, la prof? Moi, tu sais, les filles... Ouais, mais imagine si t'étais hétéro. Ouais, c'est vrai qu'elle a quelque chose. Et je lui ai demandé si elle veut sortir avec moi. Non, mec, arrête! Ouais, te précipite pas! Non, je sais, je vais faire en sorte d'avoir une heure de colle avec elle. Comme ça, on fera connaissance, elle et moi. Mec, je le sens pas. Hey, je sors de votre cours, c'est bon. Tu veux une heure de colle? Quand vous voulez. Ah voilà, demain, 16h-17h. Félicitations, Ness. Impeccable, je suis libre. Je passerai vous chercher devant la salle des profs. Pas la peine, ce sera le prof de sport qui te surveillera pendant 7 heures. Quoi? Alors comme ça on voulait se faire coller, qu'est-ce qu'il y a? T'es amoureux de moi? Bon alors je vais vous rendre vos contrôles. Je peux le faire madame? Oui vas-y. Merci ma belle. Ma belle. Attends. Bah dis donc, t'es sûr que t'avais révisé? À ta place, je serais resté chez moi. Hein. Pourquoi? T'as moins 20. Quoi? Ah ouais, tu serais resté chez toi, t'aurais juste eu 0. C'est plus des notes là, c'est carrément les soldes. Manon. Ah, elle a eu la flemme de venir. Non, je croyais que j'avais amené mes affaires, mais non. Ah, bah t'avais rien aussi pendant le contrôle parce que t'as rendu copie blanche. Ouais, puis en plus j'avais rien appris. Ah bah d'accord. Tu veux pas garder ma copie avec toi? Pourquoi? J'ai rien pour la mettre. T'as pas un sac? Non. Bah sinon tu la mets dans ta poche. Flemme. Krusty. Oh, ça va avec ma coupe, je t'ai dit que j'avais raté ma décoloration. Ouais, t'essayes de nous faire rire avec ta copie ou... Pourquoi? Bah t'as écrit genre n'importe quoi. T'avais révisé? Bah pas la bonne matière apparemment. On est pas en anglais? On est en maths. Ah, muy complicados. Anatole, t'as 12. Quoi? Je sais pas ce que tu nous as fait. Eh, hey, je reviens plus dans cette école, moi, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon, je plaisante, t'as 20. Ah, bah voilà, je me disais aussi. Eh, hey, lui, il me fait trop peur des fois. Bon, la prof m'a dit de lui apporter mon devoir en salle des profs. Mais wesh! Alors d'accord, j'aime bien la physique. Mais tu sais que j'aime aussi beaucoup ton physique. Alors, qui m'accompagne chez des iguales cet après-midi? Est-ce que quelqu'un a vu mes crayons 2B et 2C? Et but! Je t'avais dit que t'avais aucune chance! Mais je comprends pas, y'a aucun de mes joueurs qui court. Ah bah, ils font comme toi en cours de sport, hein. Ouais. Non, mais j'ai plus de chances de voir un Rayquaza Shiny dans la nature que de te voir courir en cours de sport. Ah bah, ça c'est sûr. Hé, y'a un élève en salle des profs! Alerte rouge! Vite, tout le monde fait semblant de travailler! Alors, où est-ce que j'ai mis mon tableau périodique des éléments? Un gâteau, c'est un chat en espagnol. On en a plein tous les jours. Toujours personne a vu mes crayons 2B et 2C. Mais je vous dérange? Bah oui, comme t'as vu, on était en plein travail. Vous jouiez à FIFA avec le prof de sport. La prof de physique draguait le prof de français. La prof d'espagnol voulait sécher cet après-midi. Et le prof d'art plastique parlait tout seul comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bah vous m'aviez dit de venir vous donner mon devoir. Ah oui, c'est vrai. Bon bah merci. Bonne partie, hein. Oh mais on jouait pas, hein. C'était qui, chérie? Mais non, vous sortez avec le prof SVT. Non, c'est pas ce que tu crois. Les mecs, y'a du dossier. Voilà, vous notez maintenant tout ce qu'il y a sur le tableau. Mais ce sera dans le contrôle? Non, pas ça. Allez, go! Allez le dire avant! Elle a cru qu'on faisait du bénévolat ou... De toute façon, j'avais pas l'intention d'écrire quoi que ce soit, moi. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Ah, si c'est pas dans le contrôle, ça sert à rien qu'on le note. Ouais, on écrit déjà trop de choses qui nous serviront pas plus tard. Et moi, je commençais à avoir une tendinite au bras. Mais c'est pas parce que c'est pas dans le contrôle que c'est pas important, hein? Ah bah si, hein. Et doucement sur l'imitation. Ah, excuse-moi, ma belle. Donc vous le notez quand même. Mais madame, à quoi ça nous sert? Eh bah, c'est pour votre culture générale. Mais elle a cru on voulait participer à Question pour un champion? Ou déchiffrer des lettres? Ou qui veut gagner des millions? Toi, la seule émission à laquelle tu pourrais participer, c'est Nouveau Look pour une nouvelle vie. Ouais. Sinon, madame, photocopiez-nous le cours. Mais oui, ce sera plus rapide. Comme ça, on pourra le jeter plus facilement. Pardon? L'étudier plus facilement. Je préfère. Sinon, dites-nous ce qu'il y aura dans le contrôle. Mais bien sûr, ce sera plus efficace. Et comme ça, on saura quoi apprendre. Je vais faire ça. C'est vrai? Non. Mais vous voulez pas qu'elle nous donne les réponses non plus? Ah, ça, ce serait une bonne idée. Mais ce serait de la triche. Bah, qu'est-ce que tu crois qu'on fait à chaque contrôle? Pardon? Donc, on va reprendre le cours là où on l'a arrêté la dernière fois. Oh non, j'ai plus d'eau. Mais d'où vous sortez, là? Bah, de sport. Oh non, on va pas pouvoir avancer dans le cours. Ah, vous avez qu'à dire à ceux qui font les emplois du temps de mettre sport en dernier cours. Vous faites quoi en sport en ce moment? On fait du demi-fond. Et personne n'aurait pu me prévenir, moi j'attendais devant la piscine. Bon, qui a encore l'énergie de tenir un stylo? Moi, madame. Non mais y'a personne, en fait. Si, moi. Et toi, c'est normal, t'as pas couru? J'ai une dispense. Ah voilà, mais nous on est tous fatigués, en fait. Ah, c'est normal, on s'est donné à fond. Et toi, ça te ralentissait pas, ta coupe de cheveux? Non, c'est aérodynamique. Je suis un peu comme Sonic. Tu ressembles plus au Pokémon Misterbe qu'à Sonic, hein, excuse-moi. Ouais. Et puis t'as pas fait des records de vitesse, hein. Attends, y'a ma grand-mère qui faisait sport avec nous qui t'a dépassé. Quoi? En marchant. Sur une seule main. Mais wesh. Donc détends-toi, frère, t'es pas aux Jeux Olympiques. Bon, bah je vais vous passer un épisode de C'est pas sorcier, alors. Yes! Génial! Bon, y'aura un questionnaire de 50 questions dessus et 3 DM à faire la maison, mais bon... Mais vas-y! Non, mais là, c'est trop! Bon, on fait vraiment pas piscine, alors, en sport?
Allez, aujourd'hui on va faire une dictée, donc soyez bien attentifs et regardez que votre feuille. Mec, faudra que tu m'aides. J'ai déjà pas à écrire maman, alors frère compte pas trop sur moi. Allez hop, voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça c'est pour ne pas que vous me copiez. Et qu'est-ce qu'il croit, on veut le copiter lui? On a assez de culturation comme ça. Ne cherchez pas, je suis premier prix d'orthographe de France. Bah moi je suis ceinture blanche en judo départemental depuis 5 ans. Moi j'ai eu un 12 une fois en sport, mais c'est pas un concours hein. Bon allez, on va commencer. Ne trichez pas hein. Alors, tout à coup, elle découvrit dans une boîte. Madame, il y a des gens qui trichent sur moi. Quoi? Mais j'ai même pas regardé ta copie. Bah si, là, tu viens de le faire. Oh mais wesh. Une superbe rivière de diamants. Madame, il recommence. Et qu'est-ce que tu veux qu'on voit quelque chose alors que t'as construit un château fort? C'est Minecraft dans la vie réelle, le mec. C'est même Poudlard sous Rogue avec des trackers qui surveillent tout. Puis elle demande à plein d'angoisse. Peux-tu me la prêter? Oui, bien sûr, je peux te la prêter. Non mais vas-y. Elle qui se croit dans High School Musical, lui qui construit le château de Bowser. Non mais c'est quoi cette classe? T'as fait effondrer mon château. Hein? Non. Madame. On va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois, donc chapitre 2. C'est chapitre 3, madame. Ah oui, merci Anatole. Ça me fait des points en plus. Non, quand même, ça va. Oh. Alors, je vais vous projeter le diaporama. Pourquoi ça fonctionne pas? La prise n'est pas branchée, madame. Ah oui, merci. Là, ça me fait un point en plus. Oh bah quand même. Oh. Est-ce que vous voyez bien tout au tableau? Oui, même les fautes d'orthographe. J'en ai fait une? Oui, vous avez oublié un S à souris. Ah oui, dis donc, fallait avoir l'œil, hein. Même moi qui ai des lunettes, je l'ai vu. Là, ça fait un point en plus. Et frère, tu veux pas qu'elle te donne le bac non plus? Moi, j'aime bien. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas taper un scandale parce que la ligne est pas à 3 cm? Bah 3 cm c'est énorme. Tiens, je te passe le numéro de mon ex, vous allez vous entendre à merveille. Non mais il a raison de me reprendre. Attends, laisse faire ma belle. Ma belle. Mais sinon frère, je te laisse mes devoirs et tu regardes où j'ai faux. Bah ça risque de me prendre du temps en vrai. Krusty, tu fais autant de fautes que moi, donc la ramène pas trop. Hein. Ouais. Non mais il a raison de me corriger, vous savez, au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut se tromper. Hein. Ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. Juste arrête de parler. Tu saoules tout le monde en fait là. Madame. Pour une fois, je suis un peu d'accord avec eux. Ouais. Allez, on va faire un petit tour de table pour que chacun, chacune nous raconte un peu ses vacances. Je suis même pas sorti de chez moi. Moi, j'ai été 2 semaines à la tranche sur mer, mais c'est pas un concours. Qui veut commencer? Yes, Mrs. Oui, Marie-Charlotte. I went to England during the holidays. Eh, on n'est pas en cours d'anglais, hein? Ah, sorry, j'ai encore l'accent. Ah oui. Alors, parle-nous un peu de tes vacances. I visited London with my family. Eh, moi, faut me mettre les sous-titres, là. Pardon, j'ai visité Londres avec ma famille. Et c'était bien? It was great, yeah, definitely, yeah, yeah. Toi, ce gris, il faisait gris, c'est ça? En même temps, c'est l'Angleterre, hein, pas les Bahamas. Et qu'est-ce que t'as fait d'autre? Je me suis promené dans les parcs, c'est comme ça qu'on dit en français. Non, mais là, c'est trop! Ça se dit pareil, en fait. Mais oui, c'est pas un verbe irrégulier. Genre parc, parc, parken, park to parquet. Bon, je peux finir mon road trip? Et c'est bon, on a compris que t'avais été à Londres et que tu savais parler anglais. Excuse me? Ah, yes! Bon, allez, on va passer à quelqu'un d'autre. La chance quand même qu'elle a d'être partie à Londres. Ouais, ça c'est vrai. Moi, j'aimerais trop y aller. L'Italie, j'ai jamais fait. Bon, allez, aujourd'hui, je vais vérifier vos cahiers et peut-être les ramasser. Alors Samuel, où est ton cahier? J'ai pas de cahier, j'ai un ordi pour prendre les cours. Bon bah je vais ramasser ton ordi. Ok, bah tenez. Je vais regarder un peu ça. Ah, attendez, j'ai peut-être pas fermé la page que je consultais hier soir. Oh mais qu'est-ce que font ces deux personnes ensemble? C'est de la danse, refermez l'ordi. Manon, est-ce que t'as ton cahier? Oui. C'est vrai? Non. Et tu notes le cours sur quoi alors? Ah parce qu'il faut noter les cours. Bah sinon comment tu veux retenir quelque chose? Bah en écoutant. Parce que t'écoutes mes cours? Non, non plus. Pourquoi? Flemme, oui je sais, je sais même pas pourquoi je demande moi. Voilà. Lana, est-ce que t'as ton cahier? Oui, non, enfin, je sais pas... Bah si, je le vois, il est sur la table. Hein? Ah non, mais ça c'est pas à moi, hein. Y a ton prénom dessus. Et tu dessines en cours! Mais qui c'est qui a pris mon cahier pour dessiner dessus? Ah oui, parce que là, cette sorcière, j'espère que c'est pas moi. Ah non, ça c'est pas vous, non. Anatole, toi au moins t'as ton cahier. Mes cahiers! Comment ça? Bah, voilà le premier, le deuxième, le troisième. Et ça fait à peine 3 semaines qu'on est rentrés. J'ai beaucoup écrit dans votre cours. Bon, bah, je vais noter tout ça. Attendez, j'ai pas fini, le quatrième, le cinquième. Quoi? Allez, pile à l'heure, le cours se termine. Allez, c'est parti, on y va. Eh, trop hâte de rentrer chez moi. Madame, j'ai une question. Oh non! Mais c'est bon! Ah, vous vous rasseyez? Oui, Anatole? J'ai pas compris le dernier paragraphe, vous pourriez le réexpliquer? Ah, alors si toi t'as pas compris, d'autres sont dans le même cas, donc je réexplique. Mais non, pas la peine! Oui, on a tous compris. Ah oui? Alors explique. Voilà. Donc en fait, l'auteur veut nous expliquer toute la quintessence de son projet. Voilà, allez, merci, à demain. J'ai pas fini! Mais nous si! Vous restez là! Mais c'est l'heure, madame! L'horloge ici, c'est moi. Mais wesh! Donc je continue. Vous pouvez même revenir au début si vous voulez. Oui, parce que je me souviens plus de ce que je disais. Madame, il y a le bus qui va partir en fait. Et je suis là pour répondre à vos questions, donc j'y réponds. Question? Oui? On peut prendre notre bus ou... Bon, et bah ceux qui veulent écouter restent, et ceux qui veulent partir partent. Ouais, mais ça dépend, ce que vous allez dire, ce sera dans le contrôle. C'est possible. Et bah on reste. Non, bah j'ai oublié ce que je voulais dire, donc c'est pas grave, je vous donnerai des photocopies. Tout ça pour ça. Ah, et les devoirs, on en a pas? Ah oui, j'y pensais plus. Oh non!